Engagé devant nous. Comment tu es femme?
Bien. Rapidement, nous allons chanter notre hymne national. Debout Congolais, hymne 2. Admises par la coutume pour les usages de la vie moderne. Mais il ne reconnaît légalement que les mariages célébrés devant l'officier d'état civil qui, ayant les prérogatives de cette qualité en la matière. Le consentement des mariages d'un serment où le conjoint exprime devant Dieu et l'État pour l'épouse dans les cas de bonheur ou de malheur. Le parent, le prêtre ou les amis auront à prodiguer les sages conseils aux heureux mariés pour leur propre bonheur, ainsi qu'à la viabilité de leur vie commune. Je vous remercie. Je vous invite à la lecture. Bien, c'est le monument qui est au Moïse-Ali. On est venu travailler dans un chantier, mais à notre grande surprise, on nous apprend qu'il y a une cérémonie. Voilà. On vient de nous préparer depuis hier soir. Et je demande votre diligence, ce n'est même pas de ma faute d'arriver comme ça. Ça, c'est une cérémonie officielle. Et l'officier doit être en fait.
Bien. Voilà. Pour ne pas abuser du temps de repousse ici, je passe directement à l'essentiel. Réunis ici dans cette salle, tous, vous comme moi, nous sommes sans ignorer de savoir pourquoi nous sommes là. C'est simplement parce qu'il s'agit de la célébration des mariages de notre fils, oncle, frère, que sais-je encore, juste à ma face ici. Et rapidement, nous avons une loi congolaise qui tolère toutes ces autres formes d'union des mariages, Yaratovanda et Pekisa. Mariage coutumier, c'est donc, on va verser la dot. La loi tolère toutes ces formes de mariage. Coutumier, il est de simples formalités coutumières et ça n'a aucun impact juridique sur le plan de droit. Le religieux, c'est tout simplement pour permettre au Tout-Puissant Dieu de vous tendre sa main en vue de bénir votre vie. Mais cette loi, elle reconnaît également que les mariages célébrés devant l'officier de la civile, comme c'est le cas, c'est le seul mariage qui vous protège et qui sécurise de chaque fois de vous dans le monde par rapport à votre vie. Alors je me dis, à partir du moment où vous avez connu, on va poser sa signature sur le livre de votre mariage, de ce qui vous compte. Il compte beaucoup à juste complètement du contraire. Vous demeurez encore de célibataire, malgré vos millions de dollars versés à quelqu'un d'autre. Voilà le moment de renoncer. Parce qu'après ici, ça va être tard. Voilà pourquoi je me dis que c'est une corde pour moi. Maman Isaïe, papa Isaïe. A pour vie essentielle de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Et partant de cette définition, il devient un contact entre deux personnes sans maison qui va vous conduire dans une progéniture. Vous voyez, aux jeunes filles qui en est le résultat de votre union, les enfants. Ok? Et ces enfants qui vont devoir être chez vous dans votre union sont des innocents qui n'ont pas demandé d'être chez vous. Par conséquent, ils n'ont pas droit à la souffrance. Vous devez les encadrer pour les assurer une bonne éducation morale, physique et spirituelle, les rendre utiles à la société. Faire de ses enfants intellectuels comme vous. Ils doivent étudier, manger convenablement, ce que papa doit, à travers l'éducation que vous êtes. Est-ce que vous êtes là, beau, belle, intellectuelle, bien habillée, et ce genre encore, c'est le fruit de votre travail actif par les parents de chaque enfant. Et vous avez chacun l'obligation de se transmettre votre progéniture, aux enfants. Tout ce dont chacun de vous avez comme éducation, c'est pas. Et on peut se faire. Vous allez encore chercher quoi? Elle est là. Elle est là. C'est pourquoi j'ai commencé par poser la première question de savoir si c'était elle. Et vous avez répondu positivement. C'est elle. Vous, c'est lui, oui. Ok? Vous allez encore chercher quoi? Et vous devez savoir et mettre en tête que la femme reconnue officiellement
c'est celle que vous présentez aujourd'hui. La grande dame. Ok ? Les hommes sont tous pareils. Et même les femmes, elles sont toutes pareilles. Il n'y a rien de spécial. Aimez-vous. Et surtout, profitez de votre jeunesse. Demeurez fidèle. Elle vous est recommandée. C'est public. Et la loi également vous la recommande. La Bible nous dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui donnera son semblable, pour pourquoi l'homme sera une femme. Et il va chérir dans 24 en disant que l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme. Que vous allez tomber, vous allez dire que Dieu est merveilleux, mais bon, pourquoi c'est moi chez vous? Nous en avons l'expérience. Aimez-vous. Moi-même, aujourd'hui, je totalise 50 ans de mariage. La main gauche de toute époux qui va légèrement sauver va aller tout droit par cette belle chevelure. C'est celle qui deviendra tout à l'heure votre moitié et les résultats. Comment fait si ma pauvre en a beau le mal, c'est dans la croix que vous en l'air. Un extrait de la loi, c'est pour vous permettre de lire chaque fois pour comprendre c'est quoi le mariage. Pourquoi on doit s'unir dans un lien de mariage, hein? Et quelles sont les règles, les principes. Comme on lit la peine à gauche, t'as ici aux gens. Papa, tu nous ouvres la gauche, t'en gardes. Voilà. Extrait dans la salle. On dit bien, seul la mort doit vous séparer, pas autre chose. Personne ne peut délier ce qui est lié à Dieu. Personne. Ok ? Voilà pourquoi on va dire, c'est une corde. Enfin, pour chuter, parce que je ne m'étais pas préparé, si je savais qu'il y a un mariage aujourd'hui, aller plus loin. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Enfin, c'est l'article 743 du Code de la famille qui stipule que la mort de l'un des époux n'est donc liée ni au remboursement de la dot ni au paiement du sol. Je vous ai piégé, messieurs, tout à l'heure.
dans le bac caca, il fallait dire non. T'es Simbasuki, au Légo, au Sotélé, sur le Valais. Et ailleurs, Bakol sur le Valais. Et ça, il y a eu le cause. Alors, par contre, vous devez savoir que vous n'avez plus rien. Vous avez consommé tout votre argent versé à titre des autres. Vous n'avez plus rien à réclamer. Et l'homme peut s'en servir au Maka, au Lingo. Pour Banda désormais, à partir de maintenant. Si tout le temps, on a pour serrer l'image. Mbongo Wana. Merci mes frères et sœurs, Zamba Pambola Bino, partout ici à Bozo Landanga en direct. Ils ont un numéro dans le pays 0033-766-27-4002. C'est votre frère, Père Condé Israël, sacerdoce et rataraté. Zamba Pambola Bino. Message à vous pousser dans le pays de Sabino. Toza a un bon à Paris. Na en Europe. Nzamba lobi na ngai. Makambo no sala Congo. Na Afrique au Salangwa. Je me suis dit non sala longenge ni. Nzamba bisingai banda mangenge ngi au. To bandi zamba ya mangenge au na Paris. Na kata zamba o ya mangenge ngi to za ko sambe la nzambe na bomo. Na moni na kata hiver ba tozo ta de pare d'autre ba soa na zamba. Bazo bika bazo ba délivrance impossible. Mais pour comprendre nzambo lobelenga aza nzambe ya bomoi. Nzambe ya dina bala. Nzambe ya papa nanga apôtre Bolia. Oya bondela pona ngai. Na moni makambuzo sala ma ana Paris. Tozo forcer le côté ba ba bika bazo ba délivrance. Yango na ko ebisa yo. Kanne ngozo landanga. Soki nzambe yo meka kufa. Na bonde lio na kombo na Yesu 2022 mekano nzambe na ngai. Zwa numéro wana kana kisu mekano nzambe na ngai. Na edisyo ezali kambu ya tiko taki. Na zomu na ba gerizo ba delivrance ba femme stérile ba ozwa zemi. Ba cancer ezo limwa. Ba trouble ezo longwa. Fort di mal ezo disparaître. Na zomu na ngo na misu na ngai batu maladi ba zo bika. Bato ba problème ba ozo solution bato yo ya mabe bazo kangolama donc na moni nzambe ko sala e belé bazo continuer ko sala yango na bonde lio na kombo na Yesu ko désespéré ti ko mona ti ko sambela trop sur les mi message na ngeya na pa bato ba désespéré tu as beaucoup prié mo zo e lokoté mais kana nzambe na ngai ndeko zo la nanga siko zo adresse mercredi na dimanche. Nana service ya haute spiritualité. Et l'oko etikali biso na vie c'est la spiritualité. Mercredi na dimanche 15h service sur Salam. Wak. Toza na Saint-Denis 9 rue de la Poterie na Bandeli. Na Saint-Denis na 9 rue de la Poterie. Soko ye mercredi na 15h. Et ama mo spiritualité yo linga molimo yaka. Dimanche 15h. Na 9 rue de la Poterie na Saint-Denis. Viens. Au monde on s'amorcer là. Partout bisukoza en Europe, wana Belgique, wana Allemagne, Suisse, partout. Poésité noté. Zamba oyo to bondela. Miracle zo sala ba tel mebele, ko to ba tozo na Saint-Denis, ils viennent témoigner. Yuskoza invité na ngaya dimanche. Kando zo la na ngasikoza invité ya dimanche oyo. 15h juste yaka. Yaka na libotana. Mon malade ou des impossibles. Nous avons des impossibles. Au moins, nous avons condamné. Condamnation est au long. Nous avons dimanche où nous avons condamné. Et nous avons dit ça. Siloé 2022, il y a eu. Et ça, le mois de juin. Mais le mois de juin, le 11, les gens viendront témoigner. Mais nous avons eu. 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Dimanche 15h, service prophétique et banni. Mercredi 14h-15h service et banni. Yaka. Soit numéro comment 0033 7
66 27 40 02. Moi, quand on benga, benga, enregistrer numéro sur WhatsApp. Prophétie na yo izali, orientation na yo izali. Quand nous au landa siko, ça me nanga pambola. Bino partout bisika vos au landa. Nabi partout bisika vos au landa. Na siloé 2022. Nzamba lobi nanga. Sambe la pona ba aîné de la famille. Sambe la pona ba femme stérile. Sambe la pona ba to bazala ba maladie incurable. Sambe la pona ba to bazala ba mauvais sort. Sambe la pona ba to ba envoûté bango. Sambe la nzamba lobi nanga sambe. Célibat prolongé. Ma piège est toujours sous la main. Ola makambo mikanda, makambo nyosoza nango. Viens, nous allons implorer la grâce du Seigneur. Quand nous sommes sous la main, numéro 1, nous avons un peu de temps. Benga le père connaît, nous avons un peu de France. Nous avons un peu de France, nous avons un peu de place, nous avons n'importe quelle place. Nous avons. Benga, tu vas témoigner si tu es là. Si tu as un peu de temps, tu vas visiter bino partout. C'est votre frère, père Kone, Israël. Tu vas visiter bino. Merci. Le véritable amour, c'est le fond du cœur de la maison de Dieu. Ce n'est pas ça. Acheter,
Je vous déclare officiellement comme étant Marie